Attends 2 petites secondes. Là. Oh non. Salut mon craqué news, Stéphane Meguez de l'école de Catchaya. Rien que dans cette courte vidéo, tu vas apprendre plein de trucs sur le catch, la confiance en soi, le management, etc. etc. Le développement personnel. Et donc après une longue période d'absence des rings à cause du Covid, nous voilà de retour sur un stage. C'est chouette. J'arrive à la caisse et la caissière elle me dit vous avez la carte du magasin? Puis je lui réponds mais c'est si grand que ça. C'est quoi le gainage de l'enfer que tu fais là? C'est le gainage araignée. Mais au début, on se met comme ça. Apparemment sur les paumes, mais je fais pas trop moi. Oui, oui, oui. Et après, quand on se sent bien, bah, petit à petit, on écarte un chouille. Jusqu'au moment où. Et encore, je pourrais même plus le faire comme ça. Voilà. Les jambes, même des paumes. Quel bel homme! Qu'est-ce que t'as à dire à tes fans? Que je les adore. Partenaire. Tac. Et donc là, on est la pause de midi après la pause de midi. Tu t'entraînes à... avec le masque? Ouais, c'est dur. Pour genre... C'est chier. Bah, en fait, quand tu fais 20 squats sautés avec un masque, 10, pardon, c'est comme si t'en avais fait. Ouais, c'est parce ça. Que, t'arrives pas. Et plus, t'as la bouche grande ouverte là-dedans pour compenser. Et là, ça va chauffer. On va venir un peu congestionner derrière, là. Ça pour toi motricité, donc se déplacer et aussi bah, connaître son corps dans l'espace. C'est terminé. Connaître son corps dans l'espace pour qu'après quand on soit dans le ring et bah on s'en sorte un peu mieux. On évite de se prendre les cordes. Qu'est-ce que tu fais? Bah je les infecte. Et là, il y a tout qui est fait. T'as plus qu'à tourner les jambes. Une pause en 2020. Voilà. Voilà. Ouais, mais toi, t'es intelligente aussi. Vas-y, 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 vas-y. Boss professionnel. Harold the Beer sur Instagram. Yeah. Qu'est-ce que tu fais sur ton portable? On met des photos sur Instagram, sur les réseaux. C'est quoi ton Instagram? Harold the Beer. Ah. Voilà. L'ours réunionnais. L'ours réunionnais, c'est la page Facebook. Je regardais parce que j'ai des nouvelles personnes qui me suivent sur Instagram grâce au programme show. Nous avons un suivi personnalisé et continu sur nos réseaux sociaux. L'une des choses qu'on apprend particulièrement, c'est à regarder la caméra. C'est quoi ton Instagram? Aiden Black. Girl power. Ouais, mais carrément. C'était à toute
petit peu mieux au tour d'avant, mais c'est t'as grave évolué. Oh. Bravo à tous. Alors donc, j'ai que 50 secondes d'image. Donc demain, on va s'entraîner ici, on fait le physique ici. C'est ça, avec de l'herbe, de la course, donc du renfort et de la course sur piste. Ceci, c'est un crâne de dieu de la mort. Ceci, c'est le lion de l'orgueil. Ici nous avons une marque maudite qui simplifie le fait que je travaille la nuit, donc je ne dors jamais. Ici nous avons le bouclier de l'ogre qui protège le faible et le juste. C'est chaud, ça brûle, c'est chaud, chaud, chaud. Ici nous avons le symbole de la fée, parce que est-ce qu'une fée a une queue? C'est une question d'une aventure éternelle. Ensuite nous avons... Oh putain t'as du douillet là. Le berserk, qui symbolise le berserker. Ensuite beaucoup beaucoup, et peut-être celui qui représente le plus Eden Black. Le scolopant, le scolopant. Dégage ! Pousse, Flavien. C'est mieux, ça. Et mets tes mains sur l'épaule de ton partenaire, comme ça. Ok ? Et donc là, ça fait mettre une main à l'entrejambe. Ouais. Et une main là. Ok ? Et donc là, t'as les épaules là, ok ? Ça fait 1, 2, ok ? Ouais, voilà. Action. Excellent. Braval. Yes, sir. Tu l'as passé en combien de temps, mon chou? Je sais pas. On a pris le temps qu'il fallait. Ouais. J'ai été patient, même si c'était souvent. Et... Tu avais un coach merveilleux. C'est bon, il a été sympa. Oui. Hein. Il a juste essayé de me casser la jambe 3 fois. Ouais, même si j'avais voulu, je l'aurais pété grave. Mais il est corporel ton t-shirt, dis donc. Ah ouais, complètement, hein. Ouais, c'est un t-shirt OCA. Mais d'ailleurs, je l'avais à midi en haut et il a disparu. Disparu. Ouais. Jour 3. Aujourd'hui, nous avons également un stagiaire qui vient pour arbitrer. C'est le deuxième stage de la semaine. Nous avons également du girl power qui vient. Et puis également de nouveaux élèves, et puis la présence exceptionnelle bien sûr de Raphaël Belmont. Et ça te fait quel effet d'avoir le grand Raphaël Belmont derrière toi? Bon, c'est toi qui as piraté notre Facebook ou pas alors? Peut-être. Comment ça peut-être? Ça c'est qui? Ça c'est moi, c'est mon structure. C'est une de nos structures. Bah, donc là c'est le deuxième stage, le stage de la semaine. Il y en a qui sont là depuis 4 jours, depuis 3 jours, là c'est leur troisième jour et tu vois que. Tu vois qu'ils ont besoin d'apprendre et de revoir et de voir et voir et voir et voir et revoir. Les choses, tu vois, vraiment, comme disait quelqu'un, la perfection n'est approchable que par la répétition. Et donc là, ce troisième jour, franchement, pour eux, c'est pas trop. Il y en a, c'est comme s'ils n'avaient pas vu, parce qu'il faut le temps que ton corps absorbe, analyse, enregistre les mouvements, tout simplement, que les connexions neuronales se fassent. Donc vraiment, tous ceux qui investissent en eux, que ce soit à l'école de catch ou ailleurs, tous ceux qui investissent en eux pour faire des stages utiles, donc sur la durée, c'est vraiment, vraiment bien. Vraiment, vraiment, vraiment bien. Un stage d'une journée ou deux, c'est toujours mieux que rien, mais c'est vrai que c'est mieux de prolonger pour renforcer les acquis, les appuis. Ouais, j'allais dire à la caméra qu'apparemment il y a Raphaël Belmont qui a une surprise.
Alors j'ai une surprise. Bon, c'est un prêt. C'est un comics sur l'Undertaker. Oh! Tu l'as eu où? Je l'ai eu en accompagnant un ami à Comic Zone et parce qu'il voulait des comics gratuits. Et du coup, je suis tombé dessus. En fait, j'ai vu WWE. Donc je me suis dit WWE, truc de catch. Là, truc de catch. Donc, ça a attiré mon attention et j'ai lu un comic sur l'Undertaker. Un mélange entre Tiger Mask et Wolverine. Et très sincèrement, les dessins sont hyper jolis. Je vous montre quelques planches. Celle-là, Mankind qui tombe de la ligne de sel, par exemple. Oh my goodness, et je sais pas si on voit bien. Si, j'ai l'impression que c'est pas trop mal. Oui, on voit bien. Ah, et, ouais. Et dessiné en plus, voilà, bah. Justement, en plus, Chad Dundas, donc du coup, ce mec, bon, pour les ceux qui connaissent les comics, c'est un mec qui a quand même fait beaucoup de Marvel et de DC Comics, donc c'est pas des débutants. Quoi. Et vraiment, c'est une histoire parallèle, en quoi si le catch comme Tiger Mask, c'était vrai. Donc on apprend par exemple que Taker, entre ses combats, il vit dans la forêt et il va chasser le caribou pour se nourrir. Ah, et ben voilà, c'est de la gimmick. C'est de la gimmick totale, c'est pour ça que je disais que c'est un mélange entre Tiger Mask et Wolverine. Voilà, on apprend au tout début que Kane, il s'appelle Kane, hein, c'est son vrai nom. Ils sont frères, ils sont enfants. Après Kane, il, comme dans la gimmick hein, de l'époque, Kane il met le feu chez ses parents. Et ensuite Taker il est recueilli par Paul Bearer. Ah, donc... tout ça c'est l'histoire. Ah ouais, tout. C'est ça, c'est totalement ça. Et donc Paul Bearer il se dit tiens, je vais en faire un catcher. Donc là on voit Taker qui fait des German suplex à un mannequin. Là il fait des squats. Et si on connaît un peu l'histoire de l'Undertaker, hein, si tu as vu le live de Stéphane Noguès sur l'Undertaker, donc tu le sais. C'était au bout d'un moment, Ted DiBiase. Voilà, on voit Taker faire son fameux tombstone hein, par exemple. On voit bien, il y a un petit retour soleil. Ouais, voilà, ouais, ouais. On l'a vu. Et là par exemple, Ted DiBiase qui va recruter l'Undertaker pour le faire apparaître au fameux Survivor Series. C'est hyper intéressant. Et ouais, bon, alors le seul défaut que je n'ai à ça, il n'y a qu'un défaut, c'est que si on ne connaît pas le catch, on est largué. Si on ne connaît pas l'Undertaker, on est là. Ah oui, oui. On connaît la Paulette Woolby. C'est pour les smarts, ok. C'est pour les smarts. Donc si toi aussi tu veux retrouver cette bande dessinée, regarde dans le lien qu'il y a sous cette vidéo, le mec, hashtag opportuniste, affiliation. Tout à fait. Hashtag affiliation. Et, exactement. Et peut-être que tu as loupé cette merveilleuse vidéo de Raphaël Belmont qui te conte, qui te narre, voire même qui te longe son histoire au sein de l'école de Katshaya. Absolument, c'est ici. Si toi aussi tu veux faire beaucoup d'argent et arrêter d'être chez toi et être inutile, tu peux contacter Stéphane Noguès. Ou si tu préfères qu'on continue ta carrière sur WWE2K20, tu peux ici faire une véritable carrière de catcher. Bisous. J'ai oublié que la question était vite répondue aussi. Est-ce que vous avez vu sa roulade avant-gauche, la première, vraiment? Dans le sens où il a reculé, mais c'était pas encore super cadeau. Du coup, limite, sa roulade, il l'a faite vraiment sur place. Il a à peine avancé. 10 secondes de poirier, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Ah, salut. Hey ah. Salut. Serré, ok. Et mon popotin, c'est comme si on me le montait là. Ok. Ok. Comme elle a fait la miss, elle a pris le rebond là. Hop. Ok. Allez, courage, lâche pas. Allez, troisième. Fais le choix de confiance.
Ouais. Ah, c'est un bloc à la fois. Oh, 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 personne n'a rien vu. Bravo. Non. C'est génial.
Ok. Ouais, c'est bien ma gueule. Attends deux petites secondes. Oh non. Il y a Monsieur Belmont, vous aviez un téléphone portable il y a encore quelques secondes. Ah putain. Ouais. Quatrième et dernier jour de stage pour... Enfin en fait quatrième. Deuxième jour de ce deuxième stage. Ouais là on est en train de voir pour organiser un stage du 21 au 23 août. Et bonne nouvelle, tu sais, exceptionnellement les conditions Covid, donc on n'a pas le palais habituel, ce que j'appelle le palais, le centre d'hébergement habituel qui accueille des stagiaires depuis 2014. Et donc là, on loge nos stagiaires, on te loge, on vous loge à l'hôtel. Et donc, ça c'est les valeurs de CA, il y a le taulier de l'hôtel qui vient de me dire « Merci !» pour avoir rendu les chambres propres et rangées, si on avait plus de clients comme vous. Et du coup, derrière, ça facilite, ça arrange encore plus notre partenariat avec des conditions encore plus easy. Donc ça aussi, c'est les valeurs de l'école de Kachaya et je t'invite à avoir les mêmes dans ta vie. Respecte ce qui t'a été confié, même si tu payes, respecte les gens, respecte le matériel. Hein, c'est pour ça que je suis très intransigeant sur pas jeter, balancer les tapis de chute, maltraiter le ring et tout ça. C'est du matériel pour travailler, comme ton corps qui est du matériel pour travailler. Donc, bien l'alimenter. Et, comme je dis souvent, je bois une bière ou deux de temps en temps, je peux manger du chocolat et tout ça, mais de façon générale... ton outil de travail, alimente-le correctement, pas avec du gras et du sucre ou quoi que ce soit d'autre, et puis de l'eau. Okay, qu'est-ce que tu fais là, mon Clem ? Eh bien là, je règle les spotlights, car je suis technicien en lumière, pour que nos élèves et nos stagiaires puissent travailler leurs entrées dans des conditions professionnelles du spectacle vivant. Donc ils vont avoir de la lumière, une machine à fumer, une bonne sonorisation et tout un accompagnement sur leur travail d'entrée. Est-ce que tu penses qu'on compense la qualité pédagogique par un artifice de lumière et de fumée ? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que si, vu que nous sommes une formation professionnelle, nous poussons les élèves à partir pour de grandes fédérations internationales. Et dans les grandes fédérations internationales, vous trouvez exactement le même type de matériel, voire encore plus loin. J'insiste avec ça, avec le mec de l'hôtel qui dit « Ouais, c'est cool, merci d'avoir rendu le truc propre ». Là, ici, le local, là, il y a Arena. Effectivement, il y a des gens qui font confiance en notre sérieux pour rendre les lieux propres et non détériorés. Le palais où on héberge nos stagiaires habituellement, on nous fait confiance. Les gymnases, on nous fait confiance parce que ça fait des années. Parce que, une fois encore, il y a cette notion de durée dans le sérieux, de pas être en dents de scie, même toujours comme ça. Doucement, mais sûrement. Et... ça fait 20 ans que je suis dans ce métier et tellement souvent j'ai entendu des échos de certains de mes confrères. Ah ouais, un tel lieu, il l'a rendu dégueulasse, il s'est comporté comme un porc avec les gens, avec les lieux et tout ça. Ah le même là sur un autre lieu, dégueulasse. Ah même là, très très souvent j'entends parler de personnes, enfin, j'ai entendu parler de personnes qui rendaient des lieux sales, dégradés, des comportements humains bizarres et tout. Et c'est forcément contre-productif et tu ne dures pas longtemps à un endroit et c'est forcément contre-productif pour toi. Donc vraiment,
Moi, j'appelle ça donc du développement personnel par le catch, parce que si tu as, si t'as pas eu la chance de sortir d'un milieu parental, social, qui t'apprenne des valeurs, de t'exprimer correctement avec le verbe, tu vois, tout le monde a pas, tu vois, des fois, bah, tu viens d'un milieu, tu vois, où faut que tu fais attention quand tu dis des trucs, tu vois, parce que t'appelles une école et c'est, pour toi, c'est le numéro d'où qu'on peut faire du catch. Et tu vois, et toi, c'est la normalitude du truc, tu vois, pour toi, ça a un univers comme ça, finalement un peu médiocre parfois, et ça s'appelle, et ça, le catch peut te faire grandir, peut te faire découvrir une autre sphère. Et puis maintenant, avec les outils d'internet et même les bibliothèques municipales des livres, faut pas attendre l'éducation nationale, il faut pas attendre un employeur, faut pas attendre qu'on te finance une formation. Il y a que toi dans cette putain de terre qui peut t'aider à t'élever. OK ? Pour ma part, j'ai arrêté l'école à 16 ans, ultra timide, je ne connaissais rien à rien, j'étais le premier des couillons. Je suis certainement encore le couillon de quelqu'un, mais inéluctablement, quand je me regarde dans la glace, je sais que j'ai fait des belles choses et que j'ai progressé dans énormément de choses. Donc, il n'y a que toi qui peux te faire progresser si, selon tes barrières. Et donc, le respect des autres, le respect des lieux qui t'accueillent, le respect du matériel qui t'aide, vraiment, vraiment, c'est très, 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 très important. Il y a énormément de personnes qui se sont grillées par manque de respect ou de savoir. Le savoir. Quand tu ne fais rien, quand tu ne sais pas quoi faire, apprends un truc. On a Internet, apprends un truc plutôt que d'être chronophage, c'est-à-dire plutôt que de perdre trop de temps plus que de raison sur du divertissement à outrance. Les réseaux sociaux, la télévision, mais ça probablement tu la regardes plus, les YouTube, les Instagram, je sais pas quoi, des vidéos débiles sur YouTube, de dessins animés avec de la pisse, de la merde, enfin j'ai vu des... Apprends des trucs et tu deviendras grand. Conclue par ta catchphrase. Avec les bons outils, on peut tout faire. On regarde ce que c'est qu'une équipe motivée. Du coup, ouais. Sniff, sniff, sniff. Sniff, 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 c'est fini. Salut à toi, jeune fan de catch. Si je me permets de te parler tout de suite là, c'est pour t'offrir une opportunité. Savais-tu que 60% des fans de catch rêvent de devenir catcheur? 10% seulement réussissent. Alors, si tu préfères rester chez toi à jouer à la PlayStation et te créer une fausse carrière, ou tu préfères nous rejoindre ici, dans cette salle, bon là, il n'y a plus le ring parce qu'on l'a chargé, mais si tu veux nous rejoindre et appeler Stéphane Noguès au numéro qui s'affiche parce que je ne le connais pas par cœur, et enfin réaliser ton rêve de faire une véritable carrière. Moi, je crois que la question, elle est vite répondue. Bisous. Je me suis dit, il jette la monster, je hurle. Et voilà, on nous confie un endroit propre. On le rend propre. Maintenant, direction le local, on va vider le ring. Oh merde, je pensais que t'allais réceptionner. Eh, hey, ça va? Oh. Ouais, je mets des lunettes de soleil en intérieur. Moi, je suis trop déglingade. Moi, je travaille. Oh, tu travailles, tu te manges un coup de pied en pleine face, là. Sérieux. Maintenant, on va déposer, voilà, le ring, c'est fait. Maintenant, on va déposer le camion.
Nous revoilà à l'Oscar. Très très bien, on va pouvoir reprendre un train de vie plus normal et plus dormir. Et... oui. Retourner s'entraîner, bordel. Ouais, plus dormir, mais quand il y en a qui arrivent en avance, ils sont pas là pour ouvrir. Non. Avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est plus l'heure. C'est ce que dit le dicton, ouais. C'est ce que dit mon père. Avec moi, c'est comme ça que ça marche. Alors c'est pire que toi. C'est pire. Ouais, c'est pire. Parce que disait papa, c'est important. Quand on demande de faire quelque chose, donne toujours un petit peu plus. Ça fait l'Élise. Eh oui, oui, ça fait. Toujours faire un peu. Phrases. Toujours faire un peu plus que ce dont pourquoi tu es payé. C'est ça, c'est ce qui, les deux trucs. Et le troisième, c'était quand on part d'un chantier, c'est comme si on n'était jamais venu. Voilà, c'est les trois phrases de mon père. Putain. Mais tu sais, c'est exactement, c'est le message de fond que je fais à ce vlog. Tu vois, on a trouvé un truc propre, on rend un truc propre. Ouais, ben voilà. Ouais. Et par rapport à tout à l'heure, ce que j'ai félicité les élèves... L'hôtel. Ouais, l'hôtel, ouais, tout était nickel. Ouais. Bah, j'y pensais en plus, je me disais, c'est marrant. Oh, petite anecdote. Hein. Les chiottes étaient nickel chrome pendant les 4 jours. Et donc, il y a eu un spectacle une fois ici où... alors moi, je fais un petit pipi dans l'après-midi et un petit pipi juste avant d'aller sur scène. Je me lave les mains, promis. Et le deuxième petit pipi que je suis allé faire, le chiotte était tellement dégueulasse de caca que j'étais dégoûté. Et c'était des collègues de travail. C'était au moins un collègue de travail, quoi. Et ben là, les jeunes, ils ont fait mieux. Maintenant, nous allons rendre le camion, déposer le camion à l'endroit où il doit faire dodo. Le catch, c'est de l'événementiel. Le catch, c'est du spectacle. C'est un travail d'équipe. Et c'est des journées fleuves. On appelle ça des journées fleuves. Des journées interminables, des prestations interminables. Des journées de 27 heures, des journées de 32 heures. À des centaines de kilomètres, parfois des milliers. Donc c'est pour ça que je dis souvent, si t'es pas prêt à bouger et à te fatiguer pour faire du catch, ça va être compliqué la carrière de catcheur, quoi. Et voilà, on est arrivé. Ah oui. Moi j'ai jamais rien vu là, c'est le chargeur de téléphone de... T'as jamais eu ces pubs là sur... De MC Raph. Et voilà, stage terminé, tout ça, tout est rendu, tout est fini. Chacun est rentré chez soi, ça a été un stage hyper au top, où chacun s'est senti grandi, où chacun a épaulé les autres, où chacun encore a appris à augmenter sa valeur, à augmenter, est devenu une meilleure version de lui-même, que ce soit en tant que catcheur, catcheuse, ou même en tant qu'être humain. J'espère que cette vidéo t'a plu, t'a encouragé, t'a donné de la valeur, t'as motivé, partage-la, like-la, partage cette belle valeur avec tes meilleurs amis, avec les meilleurs membres de ta famille, ceux que tu préfères, ceux que tu estimes. Et il n'y a aucune excuse, à notre époque, il n'y a aucune excuse pour ne pas arriver et aboutir à tes projets. Allez, n'oublie pas que l'avenir appartient à ceux qui s'enlèvent les doigts.